demandons, chers frères et sœurs, de vous mettre debout là où vous êtes chez vous pour qu'on commence la prière. Rosengi na bino banso bande ko bisika bozwami na bandaku botelema poto bondela. Prions. To bondela. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On kombo ya Nzambe Tata Moana Pe Molimo Mosanto. Père, nous te disons grand merci pour cette occasion que tu nous as préparée. Tata, tozali kotondo botondi pona nzela opesi biso ya kokuta na bwe. En ces temps difficiles que nous traversons, na eleko ya pasi tozali kolekisa, que ce soit dans notre foi ou dans notre cœur charnel, ezala na nzela ya bondimi na biso, ezala pe na eteni ya nzoto. Père, tu nous donnes encore le temps de nous rapprocher de l'autel des grâces. Ozali kopesa biso nzela ya kopusa na pene na mesa na ya bonzenga. Même si nous ne sommes pas ensemble vis-à-vis de nos frères et sœurs, mais spirituellement parlant, Père, nous sommes ensemble. Parce que toi, tu nous connais bien. Et tu connais même nos intentions. Et tu nous donnes des réponses à toutes choses que tu veux. Et nous acceptons aussi volontiers de ce que tu nous dis. C'est toi qui nous as préparé cette journée. C'est un jour, Père, inoubliable dans la chrétienté. Nous nous rappelons des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, à cet instant, nous savons quelque chose. De ces souffrances-là, Père, ça a créé pour nous l'espoir du salut. C'est pour amour qu'il a vécu tout ça. L'amour pour nous, le pécheur. Père, viens à cet instant, guide-nous. Nous sommes aussi ensemble pour prier pour l'un et l'autre. Nous pensons, Père, à ceux qui souffrent plus que nous. Nous prions pour ceux qui sont aussi coincés dans leur voyage quelque part à ces temps difficiles. Nous prions pour ceux qui sont coincés Mosika na mibembo na tango ya pasi. Nous pensons à ceux-là aussi qui souffrent spirituellement, Père. Tozali kobonde la pona be bazali ko nyoko mapene teni ya mulimo. À l'un ou l'autre, la solution viendra de toi. Mbano lisali si ya solo solo ko te pai na yo. Car toi tu nous connais bien. Po yondo ebibiso malamu. Et tu connais ton église. Oyebi lisanga na yo malamu. Tu connais ton peuple. Oyebi ekolo na yo malamu. Et tu sais répondre à leurs besoins. Opesa kabiyano na bamposa na bango. À cet instant, Père, nous cherchons l'union avec l'apostolat. Et nous pensons, à cet instant, notre apôtre de disciples prie pour nous. Et sa prière nous encadre. Nous cherchons l'union avec notre apôtre patriarche. Et Père, tous les apôtres du monde entier prient. Nous voulons être fortifiés dans ce cercle, Père. Écoute la prière, Père, de tout un chacun là où il se trouve. Maintenant que cette prière s'unisse avec la nôtre à cet instant, il s'en monte, Père, devant ton trône. Et que ça bouge ton trône, Père. Mais que ta volonté soit faite et non la nôtre. Père, viens le revenu. Place en nous la parole, la nourriture que tu as préparée, Père. Avec ta main paternelle, tu as fait quelque chose pour nous. Nous voulons bien, Père, vivre ces repas-là. Accepte-nous par grâce.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te prions. Na kombo ya mwana Yesu Kristo uzali ko bondela yo. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Balingami na kati na Kristo. Pour la parole de ce vendredi saint. Na mokolo o ya mitano liloba ba pesi biso. Nous avons la parole dans Jean 10. Na mokanda Yohani mokapo ya zomi. Nous de 17 à 18. Tokotanga na nzela ya zomi na sambo pe zomi na mwambe. Nous lisons. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne n'aimait l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tata alingi ngai pona kopesa bomoi na ngai po ete nazwa yango lisusu. Moto moko te akobotola bomoi na ngai, kasi ngai moko nde moto nakopesa yango na bolingo na ngai. Nazali na nguya ya kopesa yango mpe ya kozwa yango lisusu. Tata atindaki ngai nasala ndenge wana. Ok. Telle est la parole que la chorale interprète un morceau. Telle journée de fête chrétienne. Namilulu ya boye tozali ko kondola ba fête ya ba Christo. La liturgie nous donne un texte à lire ou la parole biblique. Ndenge ya kosalela losambo ezali ko tinda biso totanga liloba ya mibale. Il y a une personne, une sœur ou un frère qui peut lire à côté de l'autel de grâce, mais maintenant je vais le faire moi-même. Na momesano esengela kinde komobali moko to ya mwasi ya tanga kasingai moko na zali kotanga yango. Le texte est ici dans Marc 15. Lilobe komami na mokanda ya Marc chapitre 15 verset 22 jusqu'à 39. Nzela motango tukumi bale na mibale kino na tukumi satu na libwa. Je lis. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas.
Ils les crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils les crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi de Dieu. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fit accompli ce que dit l'Écriture: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant: hey, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. En descendant de la croix, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant: laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. La chorale peut nous donner encore un morceau. Seigneur, chers frères et sœurs, là où vous vous trouvez, sans oublier que nous passons le vendredi saint. C'est un jour, une soirée où le Seigneur a traversé des difficultés énormes. Mais heureusement, il n'était pas surpris.
Il n'était pas surpris, mais il savait comment ça va se passer. Et alors, cela est arrivé. Au vu de voir tout ce que Dieu a fait pour le Seigneur, ça peut nous pousser à voir le degré de l'amour que Dieu porte pour nous les hommes. Ça peut nous faire voir combien il fait tout pour ne pas nous abandonner. Vous allez voir, si un parent aime son enfant, il va tout faire pour protéger l'enfant. Qu'il n'y ait pas un danger ou une malaise qui lui arrive. Si c'est quelqu'un d'autre qui crée un problème à cet enfant, ses parents sont prêts à venger. Tata azalaka pene ya kokote la mwana na ye. Il pense comment il a souffert pour l'avoir. Azali komona lolenga nyoka maka pona kozwa mwana wana. Il dit, lui, l'enfant doit avoir tout le merveille, toute la protection possible. Et sengeli kaka bate la mwana na ye na lolenga nyoso. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour toi et moi, Dieu a livré son Fils unique. Et ce soir-là, pour les disciples, c'était pas facile pour digérer ça. Ils l'ont cru. Ils ont dit, il est Dieu, il a la puissance, il a tout comme force. Mais quand il les a dit qu'il devait tomber dans le main des enfants des hommes, et qu'ils vont l'arrêter, et il va passer au tabac, et il sera humilié, les disciples n'ont pas voulu comprendre ni accepter telle chose. Pour nous aujourd'hui, c'est simple. Parce que nous connaissons l'histoire. Et après avoir passé tous ces moments difficiles, il est mort. Mais après tout, il est ressuscité. Il est allé maintenant préparer pour nous la place. Vous voyez que notre douleur n'est pas de la même manière avec les disciples de ce moment-là. Et il n'en revenait pas de tout ça. C'est pour cela même Pierre a pu même se dire, non Seigneur, ça, cela ne peut pas t'arriver. Parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ. Et il savait que c'est le Fils de Dieu. C'est le Sauveur. Pour lui, rien ne pouvait lui arriver. Et pourtant, c'était le chemin qui était tracé par Dieu. Il a passé par ce chemin-là. Mais la parole du jour nous réconforte. Et ça nous dit clairement. On lui a pas arraché sa vie. Non, c'est lui-même qui a donné sa vie. Et il va loin encore pour dire, il a le pouvoir de la récupérer. C'est ça l'ordre qui lui a été donné par son père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur a souffert. Il a souffert pour notre vie éternelle. Il a souffert pour accomplir le plan de Dieu son Père. Pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il n'était pas esclave.
Bon, il n'a pas fait ça forcément. Mais parce qu'il aime l'homme. Et il a voulu bien sauver l'homme. Pas poursuivre autre voie. Rien que par la voie tracée par son père. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous connaît très bien. Parce qu'il a vêtu ce corps. Il a accepté de quitter même les honneurs, les bonheurs là où il était. Mais il est venu ici-bas pour se vêtir de ses corps, ses corps corruptibles. Et voilà, il a eu toute humiliation du monde. Et pour même mourir comme un brigand, il connaît nos souffrances. Et il sait ce qu'il doit faire. C'est pour cela qu'il nous accompagne tout ce temps. Si nous lisons dans Jean 16, nous allons voir là-bas, il a exhorté ses disciples pendant longtemps pour le faire voir l'intérêt qu'il devait les quitter pour rentrer chez le Père. Et il a dit, acceptez que je rentre. Bondi maete na zonga. Là où je serai, vous y serez. Donc, il est venu ici dans le plan de Dieu pour faire voir l'amour de Dieu aux hommes. Parce que Dieu ne voulait pas laisser l'homme dans la perdition. Dieu a voulu bien que l'homme rentre dans son amour. Et qu'il reste éternellement avec lui. C'est pour cela qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour mourir pour toi et pour moi. Et maintenant, le Seigneur aime l'homme comme Dieu l'aime. C'est comme le Seigneur aime l'homme. En revanche, entre nous aussi, nous sommes priés d'aimer notre frère, notre sœur, comme le Seigneur l'aime. Si nous nous aimons, nous ne ferons pas quelque chose de mal à autrui. Et nous ferons tout pour que chacun protège du moins ou bien garde bien sa ligne de conduite pour avoir le salut. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons un moment très critique dans le monde entier. Il y a les problèmes de maladie. La pandémie qui effraie tout le monde. Bien sûr, ça nous effraie. Mais nous ne sommes pas seuls. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il était ici dans ce monde. Si souvent quand je dis que le Seigneur était malade, les gens se moquent des fois, se demandent, mais c'est écrit où? Mais qu'est-ce qu'il partait faire à Béthanie? N'est-ce pas que la famine c'est une maladie? Et quand il partait là, qu'est-ce que Marthe faisait? Trouver la solution pour cette petite maladie là. Il y a même des organismes dans ce monde qui s'en occupent de la famine. Parce qu'ils savent bien que si on ne fait pas attention, ça c'est une maladie grave. Comme il avait ses corps,
Il avait aussi faim. Il mangeait aussi. Mais rappelons-nous le dernier miracle qu'il a fait après la résurrection. Non, après la résurrection. Il a rencontré les apôtres, les disciples. En train de pécher. Il les a posé la question. Vous n'avez rien eu, les enfants? Ils ont répondu non, Seigneur. Toute la nuit, rien. Ça, c'était les preuves de la pêche miraculeuse. Mais quand ils ont tiré du poisson dans les filets, ils sont sortis maintenant au bord. Ils ont rencontré le Seigneur en train de retirer du poisson. Pourquoi? C'est bien qu'ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé, ils n'ont pas mangé. Même dans cet état-là, ils se souvenaient toujours que l'homme a faim. Il se souvient toujours que l'homme peut tomber malade de la famine. Il connaît que nous sommes dans un moment critique dans le monde. C'est ce que nous devons savoir. Reconnaître qu'il est parmi nous. La mission primordiale qu'il est venu faire ici-bas, c'est de nous amener le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il a dit, quand il a prêché sur la montagne, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est très important pour l'homme. Pour avoir le royaume des cieux, il faut bien garder la parole de Dieu que nous recevons à travers les apôtres. Et il faut mettre ça en pratique. Il faut chercher maintenant à multiplier la parole. Ainsi maintenant, ça va donner de bons fruits en évangélisant les autres pour qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils sachent qu'il est le vrai chemin et le seul. Il n'y a pas deux chemins ici-bas. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène à la vie éternelle. C'est croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en ces temps que nous souffrons de ne pas se voir, de ne pas nous rencontrer physiquement, que l'amour spirituel augmente en nous et que nous comprenions que même au loin, nous pouvons être toujours guidés par la parole et par l'Esprit du Seigneur. Je me rappelle d'un centenier qui était venu demander si le Seigneur pouvait aller chez lui prier pour son serviteur. Le Seigneur avait l'intention d'y aller. Mais il a dit non, Seigneur. Moi, j'ai des gardes-corps. Je donne l'ordre à l'un ou à l'autre. Il le fait. C'est de même. Vous pouvez dire un mot, vous pouvez envoyer des anges. Et ces anges-là vont faire. Et le Seigneur a dit, tu as une foi. Va, que cela te fasse comme tu veux. Même aujourd'hui, si nous pouvons comprendre que l'apôtre Patrache, là où il est, il prie pour nous. Nous pouvons aussi prier avec foi dans nos maisons.
Mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu est lumière. Il connaît toutes choses. Peut-on peut se demander pourquoi il a permis de telles conditions. Dans Daniel, je pense chapitre 2. Si on peut lire dans 2:21, celui qui change le temps, les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Et qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui y ont de l'intelligence, pour couper court, dans 23, il dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue. Donc c'est très important. Verset 22, il révèle ce qui est profond. Au verset 22, il révèle ce qui est profond, caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu connaît toutes choses. Il sait pourquoi il a permis de telles pandémies. Et il sait comment il va aussi changer le temps. Mais ce n'est pas que nous pouvions alors être entraînés dans cette vague de peur pour alors laisser tomber notre foi. Gardons notre foi. Il est avec nous. Dieu solidarise avec l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé le Seigneur. Pour que le Seigneur vienne nous enseigner l'amour de Dieu. L'amour là, c'est pour nous ramener là, pour rester éternellement là où se trouve notre Dieu. Et dans cela, nous pouvions toujours être en union parfaite, en connaissant que le Seigneur est tout pour nous. Il est avec nous, spirituellement comme charnellement. Il a souffert pour nous. C'est pour nous préparer pour le salut. Et maintenant que nous sommes déjà sur le chemin, attachons-nous fortement dans la foi, dans cet enseignement des apôtres, pour y pénétrer au jour du Seigneur. On reste pour le charnel. Il sait ce qu'il va faire pour nous. Notamment, nous acceptons de respecter tout consigne qui sont données. C'est Dieu qui a voulu que nous ayons des gens intelligents. Ils doivent aussi connaître des choses pour nous aider. Et nous sommes voués à accepter. Et nous prions pour qu'à un moment, que les choses entrent dans les normes. Que Dieu nous bénisse. Et que cette parole prenne place dans nos cœurs. Jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Amen. Après la chorale, nous allons appeler, je ne suis pas seul, notre apôtre Louis. Il viendra ici pour que l'Esprit nous guide à travers lui. Merci, ma boye Binzembo, lokola nazalina ntoma na biso Louis, akoleka asalisa biso. Thank you.
Bien chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous imaginons réunis dans vos salons à cette occasion particulière. Nous sommes en train de vivre un vendredi saint particulier. Cependant, il n'y a pas longtemps que nous venions de fêter Noël. Tout joyeux, nous nous sommes présentés les vœux les meilleurs. Cependant, quelque chose nous attendait à peu près 3 mois après. Nous vivons maintenant une pandémie. Ce virus qui fait trembler le monde. Cependant, nous sommes en train de célébrer la passion de notre Seigneur. Je pense que c'est un bon moment pour nous. Pour nous chrétiens néo-apostoliques et nous chrétiens en général, notre vie est entre la vie du Seigneur. Nous partons de sa naissance à la Noël. Nous partons aussi de ses souffrances et de sa mort. Et aussi nous partons de sa résurrection. Mais ce qui est plus important pour nous, nous espérons son retour. Laissons-nous déposer notre gratitude sur cet autel ce soir. Car notre apôtre vient de nous édifier. Il nous a parlé de la souffrance de notre Seigneur et de sa mort. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que le Seigneur est mort pour toi et il est mort pour moi. Non seulement qu'il est mort pour toi et pour moi, mais il est mort avec toi et avec moi. Pourquoi cela, bien-aimé? C'est tout simplement parce que notre Seigneur a voulu accomplir la volonté de son Père. C'est son Père qui l'a envoyé pour qu'il meure pour toi et qu'il meure pour moi. Et volontiers, le Fils de Dieu avait accepté cette mission. Il a accepté bien de donner sa vie. Parce qu'il savait qu'il avait aussi le pouvoir de reprendre sa vie. Cependant, il était question de te ramener, toi et moi, de la mort à la vie. Parce que nous étions spirituellement morts depuis que nous nous étions séparés de Dieu. Il fallait donc que le Fils de Dieu puisse se sacrifier. Et maintenant, pendant que nous célébrons le Vendredi Saint, il est vrai qu'à partir de nos maisons, nous voyons les films, les images qui défilent sur l'écran. Peut-être que nous prenons cela à la légère. Parce que nous voyons les gens qui arrêtent le Seigneur. Nous voyons le Seigneur crucifié. Nous voyons le Seigneur placé dans une tombe. Mais nous connaissons la fin. La fin, nous savons qu'il va ressusciter. C'est pour cela que nous risquons de prendre la chose à la légère. Mais l'apôtre vient de nous parler des disciples qui étaient avec le Seigneur. Eux qui avaient vécu la souffrance de notre Seigneur. Ils étaient découragés. Ils ne pouvaient pas comprendre que le Fils de Dieu, qui a tout pouvoir, pouvait se laisser facilement arrêter, pouvait se laisser facilement crucifier. Et son Père qui l'a envoyé n'intervient même pas.
Bien-aimé, c'est un grand découragement pour les disciples. Et toi et moi, nous risquons aussi de raisonner de la terre. Maintenant que nous sommes malades, peut-être mis en quarantaine. Maintenant que nous sommes confinés, nous ne savons pas aller au travail régulièrement. Nous risquons de dire, mais toutes ces années que nous avons prié notre Dieu, tous ces sacrifices que nous avons consentis pour notre Dieu, pourquoi coronavirus peut venir déranger le monde? Bien-aimé, le Seigneur n'avait jamais dit que vous ne tomberez jamais malade. Hein? Mais il avait dit que vous mourrez. Cependant, quand nous sommes à ses côtés, même si nous sommes malades, même si nous sommes prêts de mourir, ayons toujours en notre cœur que nous avons une vie à venir. Le Seigneur avait pour mission de consentir le sacrifice. Mais nous, nous avons pour mission de rencontrer notre Seigneur. Restons donc accrochés. Mais voilà que quand les disciples étaient tout à fait bouleversés, ils ont pensé qu'ils étaient dans la défaite. Cependant, ceux qui avaient martyrisé le Seigneur étaient tout contents. Ils ont crié. Même le peuple qui était du côté du Seigneur à l'entrée de Jérusalem sont devenus contre lui. Ils ont même demandé qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie le Seigneur. Là, le pouvoir du moment était content. Il y a eu des disciples qui ont même quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Parce que la honte était totale. Mais voilà que le Seigneur n'est pas mort pour toujours. Maintenant, je me demande qui vont chanter la victoire quand il sera ressuscité. Bien, chers frères et sœurs, dans notre maladie, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est malade avec nous. Dans notre déception dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est à nos côtés. Rappelons-nous qu'à la croix il a crié. Il a dit c'est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Cela ne veut pas dire que c'est accompli parce qu'on m'a percé la côte. Ce n'est pas accompli parce qu'on m'a fait porter un chapeau d'épines, une couronne d'épines. Ce n'est pas accompli parce qu'on m'a fait boire du vinaigre. Ce n'est pas accompli parce que ces gens m'ont tué. Pas du tout, bien-aimé. Ce qui est accompli, c'est que la mission du Seigneur est accomplie. Ce qui est accompli, c'est qu'il est mort pour toi, il est mort pour moi. Ce qui est accompli, c'est qu'il m'a racheté, il t'a racheté. Et maintenant, bien-aimé, nous vivons de la promesse. Après la résurrection, le Seigneur est monté. Et maintenant, nous vivons de la promesse. Soyons vigilants, bien-aimés. Que rien ne nous sépare de la promesse de notre Seigneur. Il revient bientôt. Il vient nous prendre. Rappelez-vous de notre préparation. Nous sommes baptisés d'eau. Là, nous avons tendu la main vers le Seigneur, notre Dieu nous a tenus par la main.
To pesa ki na bongo loboko na biso ya mobali tata nzambe asimbi biso pe na loboko. Nous avons participé au corps et au sang de notre Seigneur. Tango tozali kolia nzoto na makila mokonzi Yesu. Et nous avons été scellés par un apôtre vivant. Tozwaka pe molimo mosantu na maboko antoma ya bomoi. Là ce sont les préparatifs. Wana ezali komi lengela. C'est comme une fondation d'une maison. Ezali lokola fondation ya ndako. Maintenant au-dessus de la fondation, chacun devra ériger des murs. Soki basali fondation mutu na mutu sengela tonga bifelo na likolo fondation. Bien chers frères, bien chères sœurs. Bandeko basi pe mibali. Chers serviteurs de Dieu. Basali ya Nzambe. Quelles sont les sortes de murs que tu bâtis sur ta fondation? Il fait l'onigne aux alliés qu'on tonga les colons à fondation. Et surtout en cette période de souffrance. Na ngongo mingi mingi amitungisi. Maintenant que tu te sens seul, abandonné. C'est car aux alliés au moko. N'est-ce pas que le Seigneur aussi était seul et abandonné? Inkolope azala ki yemoko azala ki na motote. Maintenant que tu te sens affligé. C'est car aux alliés qu'on yoka mawa. N'est-ce pas que le Seigneur aussi était affligé? Inkolope akuta na ki na yango. Mais il est resté à faire que la volonté de son Père. Rattachons-nous donc à la volonté de notre Père. En nous rappelant que le Seigneur est mort avec nous. Il va aussi ressusciter avec nous. Il est allé nous préparer une place. Il reviendra bientôt nous prendre. Et ce n'est que quand nous serons auprès de lui que nous allons vivre le but de notre foi. Puisse l'Éternel bénir chacun et nous tenir ensemble pendant cette période de souffrance et que nous puissions continuer à espérer en la parole. Et la victoire est de notre côté. Car c'est le Seigneur qui vaincra avec nous. Amen. 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 C'est accompli. Et pour qui s'amit? C'est ce que le Seigneur avait dit. Il était fier d'avoir accompli la mission que son père lui a léguée. Quand je regarde lorsque quelqu'un est envoyé pour accomplir une mission quelconque, quand il a achevé très bien la mission, il n'aime pas qu'on le freine encore. Qu'on lui attarde. Il doit vite rentrer pour faire les rapports. Nous bien-aimés dans le Seigneur. Restons fermes dans notre foi. Le Seigneur a accompli la mission qui lui a été léguée. Faisons aussi tout pour accomplir la nôtre. Pour en évangélisant. Et entre nous, faire régner l'amour entre nous, et toujours en gardant espoir qu'au jour du Seigneur, nous ne manquerons pas. Ça, c'est son rôle, le Seigneur lui-même. Il sauvera celui qu'il veut. Maintenant, même s'il n'y a pas la Sainte Seine, nous devons nous préparer. Mieux vaut être prêt spirituellement que charnellement. Comment est-ce qu'on peut être prêt spirituellement? Savoir que le Seigneur est mort pour moi. Il a souffert pour moi. Pas pour quelqu'un d'autre. C'est ainsi. Il a laissé le pardon de péché. C'est très important pour moi, pour mon âme. Lorsque nous sommes pardonnés nos péchés, nos accusateurs ne peuvent pas encore faire autre chose. Parce que même au jour du Seigneur, lorsqu'il a souffert ce jour-là, pardon, quand nous pouvons penser de ça, maintenant, quand il est mort, devant lui, il y avait les centeniers qu'on a lu dans les textes.
qui a dit, assurément c'est un enfant, il était fils de Dieu. Cette vérité ne pouvait pas être changée. Vérité c'est resté ici. Et aussi pour nous, nos accusateurs diront quoi? Rien. Parce qu'ils sont pardonnés au nom du Seigneur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Pour cela, nous allons nous préparer pour enfin nous mettre debout et aussi prier la prière de notre Père. Nous allons comme il est en Yango. Avant tout, un petit cantique de repentance. Mettons-nous debout pour nous joindre à la prière de notre Père. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, je vous annonce la bonne nouvelle. Vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du Christ le ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. À cet instant, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nos péchés peuvent encore être pardonnés. Ça, c'est, Père, un bonheur incommensurable. Ça nous rapproche encore de plus en plus à ton autel et envers toi, notre Dieu. Père, referme notre foi alors. Nous voulons vivre des bons moments aussi dans ta maison. Nous voulons aussi grandir dans notre foi. Père, nous cherchons toujours l'union parfaite avec notre apôtre, patriarche, notre apôtre de district. Et aussi dans l'union avec tous les apôtres, tous tes enfants, tes serviteurs à cet instant. Père, accepte-nous par grâce.
Nous te disons merci pour l'apostolat qui est encore vivant. Père, donne-nous le temps d'être bien préparé. Et au jour du Seigneur, que par ta grâce, que nous ne manquons pas, Père, dans la salle de noces. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, ton fils bien-aimé. Amen. Amen. Prions pour clôturer. Tobonde la pona bosukisa. Père, te disons grand merci. Botondi botondi tatana biso. Pour la parole que tu nous as donnée. Pona liloba opesi biso. Et pour ce temps spécial que tu as préparé pour nous. Pona mabongisi na ngonga oyo. Et Père, pour la préparation aussi que tu nous as faite. Nandengo bongisi biso pe netenya molimo. Père d'amour, te disons grand merci. Le pèse yo botondi mingi. Nous prions, Père, pour notre pays. Nous prions pour l'autorité. Afin que tu donnes la sagesse, la force à ceux-là qui sont nos dirigeants. Pour que ces dirigeants prennent de bonnes décisions. Afin que ça entraîne la paix, Père, dans le pays. Et dans cette paix-là, Père, nous travaillerons pour toi encore. Nous prions pour des familles, Père, qui ont perdu les leurs. Même pour ceux-là, Père, qui ont déjà subi des effets de cette pandémie. Nous avons l'espoir en toi, Père. Que tu vas éveiller la sagesse et l'intelligence dans les intelligents afin qu'ils trouvent quelque chose. Afin qu'il y ait quand même quelque chose, un médicament qui peut alors combattre cette pandémie. Mais nous savons bien que de toi, tu es le maître de tout. Le temps est contrôlé par toi-même, Père. Les vents te respectent. Ton intelligence dépasse tout, Père. Et ton amour envers nous les hommes, nous tes enfants, Père, est grand. Et nous avons l'espoir que ça ne va pas demeurer ici. Il y aura un changement, Père. Mais nous souhaitons aussi, Père, que pour le jour du Seigneur vienne, et que nous ne manquons pas. L'on vient entrer dans la salle des noces. Maintenant, Père, d'ici là, Tata, fortifie ton église. Fortifie tes enfants. Fortifie aussi tes serviteurs. Garde-nous encore, Père, par ta grâce. Bénis les offrandes que tes enfants apportent dans ta maison, d'une autre manière. Cent fois, mille fois. Et ça contribue, Père, à ton œuvre. Et bénis aussi, Père, tous ceux-là qui luttent pour notre santé. Et tous ceux-là, Père, qui luttent pour notre sécurité aussi. Pour aussi des amis qui nous aident pour cette retransmission. Merci pour tout, Père. Tu es tout pour nous. Nous te prions par grâce. En union parfaite avec notre apôtre de disciple, notre apôtre patriarche. Accepte-nous, Père, ensemble avec tous les apôtres, toutes tes serviteurs, tes enfants. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit reste avec vous tous. Amen. Penkembo.
cantique et à clôture.